Chose commune lorsque tu manques de respect à ton mari publiquement ou que tu l'émasculines devant tout le monde publiquement, c'est que la plupart des gens après ne te respectent plus. Il n'y a plus aucun respect. On l'a vu avec Will Smith quand Jada a commencé tout son voyage pour émasculer Will Smith au maximum. Les gens ont commencé à lui manquer de respect publiquement. Genre 50, il s'est ouvertement moqué de lui pour rester poli. Un truc de ouf, il lui a envoyé un message, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Jada? Je sais plus ce qu'il a dit. Après, Will Smith s'est vénère. Il a dit, ouais, je sais plus ce que ça. Ah, il a insulté, voilà. Il a insulté. Ou après, il y a Future qui avait dit à. Bon, en tout cas, voilà, s'il y a moyen d'aller faire un petit tour, il y avait ça. Je crois qu'il avait mis ça en story. Elle me dit, ouais, s'il y a moyen, tu connais, Future, elle est jamais rassasiée d'avoir une nouvelle baby mama, pourquoi pas? Bon, après, je pense que ça va être compliqué pour avec Jada, vu son âge. Mais en tout cas, il était chaud pour aller faire un petit tour, tu vois. Tu sais, s'il y a moyen, on peut. Parce que l'expression, c'est hang out. Mais quand tu dis hang out, bon, c'est comme un date, tu vois. Voilà, t'es là, on va au parc, on va boire un café, puis voir si on peut voir ce qu'on peut faire, si on peut flapper ça, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Et ben là, pour la femme de Joe, hein, Smith, ex-joueur NBA qui a généré 61 millions et qu'aujourd'hui est broke, pas d'argent, ça veut dire, et ben ça n'a pas manqué. What else have you been doing besides OnlyFans? And what have y'all been going through financially that you felt you had to do this? I've had a bartending service called Cocktail Hour with Kiss since I've been here. I have a moving company called Major Movers and Cleaning. And then I also have a massage business called the Body Rub Babes. Nice. Do the Body Rub Babes travel? Yes, they do. Are you one of the Body Rub Babes? Well, I have been, but now I kind of like, nervous to do anything. But if I wanted you to be one of my Body Rub Babes, like, would you be a Body Rub Babe for me? Oh, yeah, sure. Okay, cool. Nah, because I don't mean to be unprofessional or anything like that, but I can't stop looking at your cleavage. It's you got, yo, your cleavage is popping, babe. Nah, you can leave it how it was, man. You can leave it exactly how it was, man. Right now, I'm thinking about cleavage and the body rub, babes. But now, don't cover high school. It's yeah, babe. I'm sorry to get off track, man, but sorry about that kiss. We'll talk afterwards, but about the body rub, babe, and everything else. But yeah, you just threw me off for a minute. If it's not me, it'd be someone equally as beautiful. I promise. I mean, yeah, I see why Joe is a little upset. You are very, very pretty, and from at least the stomach up, you're sexy and gorgeous. To say the least. Donc voilà, les gars, ils sont là sur un plateau télé, ils attaquent ta femme, normal. Ah! Il n'y a rien, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus rien. Mais c'est ça, quand une femme elle manque de respect à son gars, les gars, de manière générale, disent, bah, lui, c'est un bouffon. S'il ne peut même pas se faire respecter par sa femme, il n'y a pas de problème, je peux travailler sa femme, je peux prendre ça sur lui. Il n'y a plus aucun respect. Le gars, il est détendu, il est là. J'aime bien. Oh, franchement, je comprends pourquoi. Le gars, il est attaqué normal. Il n'y a plus aucun respect. Donc maintenant, elle fait la tournée des plateaux, c'est devenu une star. Donc voilà, maintenant, tu es subventionné lorsque quand tu manques de respect à ton gars. Alors, il faut qu'il soit connu, hein, les filles. Parce qu'il y a certaines filles qui se disent, ah ouais, donc c'est la nouvelle poule aux odeurs. Je vais émasculer mon mari devant tout le monde et après, je vais passer sur tous les plateaux télé et je vais faire de l'oseille. Non, alors, il faut quand même que ton mari soit un minimum connu. Tu vois, on voit avec Jada, c'est Will Smith. Donc, elle peut se permettre d'émasculer son gars, ça va rapporter de l'oseille. Enfin, normalement. En tout cas, elle aura au moins l'attention. On va parler d'elle, ça c'est sûr. Et elle, pareil, Joe Smith, voilà, il est connu, ex-joueur de NBA, ça fait parler, bon, voilà. Mais si ton gars, c'est personne, bon, t'auras beau lui masculer, je pense pas que ça aura, personne va t'inviter. Donc, elle, maintenant, elle fait le tour des plateaux, voilà, elle est connue, une star. C'est devenu une star. Une star parce qu'elle a manqué de respect à son mari. Je pense qu'on est au summum de la bêtise, hein. Je pense que là, on est max. On est au max, là, maintenant. Voilà, donc là c'est bien maintenant, c'est subventionné, c'est cool, manquer de respect à son homme et tu passes sur tous les plateaux télé, tu fais de l'argent. Essaie d'inverser la situation, voir si jamais tu serais passé sur un plateau télé. Je pense que tu aurais fait plutôt la tournée de toutes les prisons. Hein. Et donc là on l'a invité sur notre plateau, on lui a demandé son avis sur des choses. Alors le body count, qu'est-ce que tu en penses? Body count, c'est le nom de partenaire que tu as eu dans ta vie. Alors qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'organise? Alors. Montre-nous la voie, montre-nous la lumière. Tout d'un coup, on lui pose des questions. Maintenant, on va lui demander qu'est-ce que tu penses du conflit Ukraine?
Alors, explique-nous, parce que là, maintenant, on a besoin de ton avis. Body count seems to be no, topic. My body count is very low. Sorry. Did you count it? Consider, okay, my personal, I just talked to Joe about that about a little while ago when we were arguing. I was like, my personal body count is low. I don't consider work. It don't matter. Oh, work That's bodies not the don't same count. Thing. The work 52 bodies titles don't count. No. Mm-hmm. So you count the other bodies and then you count the two, it's two different bodies for one for Kiss. No. And the other Keisha, one Keisha, me. The woman, you know what I'm saying? Like, her body count is low. Okay. Donc voilà, donc là, c'est du... Bon, c'est du n'importe quoi, hein? C'est du n'importe quoi, là. Donc là, body count, donc elle, elle compte pas tous les partenaires qu'elle a eu quand elle était actrice porno. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est ces gens-là qui ont la parole. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Ben oui, ça n'a rien à voir. L'argent suit l'attention. Donc, c'est comme ça. C'est la base de l'économie. Donc voilà, donc maintenant, elle a eu l'attention... en manquant de respect à son homme, en lui masculant devant tout le monde. Elle se fait attaquer normal sur un plateau télé. Ah, j'aime, c'est pas mal, hein? Tu connais, hein? De toute façon, j'ai vu sur Twitter sex texting, c'est ça, hein? $20? C'est rien, ça, j'arrive. Hein, normal, tout le monde. Elle commence à faire la philosophe. Oui, pour moi, mon ami, on compte pas les partenaires qu'on était actrice porno. Dans quel monde nous vivons, hein? Donc c'est important que j'en parle pour que déjà je mange aussi, hein, dans toute sa bêtise, et que toi, tu sois au courant que choisis bien. Choisis bien ta femme. Surtout si jamais tu as décidé d'avoir du succès dans ta vie. J'espère que c'est le cas. Je te rappelle que ta mauvaise étude de cas où je te demande comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, ce sera déjà un premier pas. Business en ligne, intelligence artificielle, check avant de crier à l'arnaque quand même. Hein. Et puis voilà les gars. Et puis tu me remercieras dans 5 ans hein, quand tu seras indépendant financièrement, comme ceux qui m'envoient des messages sur Insta. Merci, tout ça, c'est grâce à toi si je suis indépendant, etc. Et ouais les gars. Il y a ceux qui sont là, oh ben, je sais pas qu'est-ce que faire dans la vie. Hein. Et puis il y a ceux qui passent à l'action. Donc bref les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Hein. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.